Bon allez, on va bâtir la grange là-bas. Mon petit âne qu'on a acheté hier. Pour 75 kilos? Quand même, hein? Tu vas me prendre la paille. J'en ai pas beaucoup de paille. Dois déjà voir avec ça. Il est en train de mettre de l'engrais. On va manger un coup, des choux. Et va me falloir des planches.
Quoi, avancer ou? Oh, il peut juste tourner. Merde. Descends. Je suis chargé, ça marche pas non plus. Ah, c'est lui qui est blindé. Il fait chier l'âne. Coffre. Attends, parce que ça veut dire que ça marche du coup. Ah non, ça marche pas. On teste. Putain, mais voilà, il a des planches, des rondins. En fait, il faut pas beaucoup de planches. Ça va petit, ça va, j'ai pas fait semblant, hein. J'ai pas fait exprès, merde, j'ai pas fait semblant.
où il me manque que des rondins. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Hop. Oh. Fais gaffe, hein. Voilà, une petite grange comme ça. Ils sont peinards, hein. Hop.
On va aller chercher le reste de briques, de pierres plutôt. Bon, on va déjà mettre ça. Je le prends. Heureux. Ça a été? En train de refaire deux maisons, comme ça je vais recruter deux personnes. Après on va améliorer le camp de bûcheron, le camp de chasse. Je discute par contre. Elles sont chauds. Des choux. La perte de vue. Ah, y a pas de lin. Faut mettre le lin, Roger. Ouais, souvent les siestes, ça fait vraiment du bien. Ça fait limite mieux que un long sommeil, quoi. Le lin. Ah, c'est pas le printemps le lin, putain, à chaque coup je crois que c'est le printemps. On est en quoi là? Ah ouais, j'ai plus de lin là pour l'instant. Bon, on aura des choux. Faire une troisième de ferme de champ plutôt. Ah mais en fait je veux monter dessus mais je veux pas
et plus de pierres pour l'instant. Marche arrière. Oh, ça le fait pas là. J'ai arrêté à 19h. Une heure et demie à peu près. C'est bon. Là, je l'ai bâti toujours dehors les maisons, mais c'est plus facile dedans. Ça. Il y a tous les rondins normalement. Je vais chercher les planches. Là, je me trompe à chaque coup de touche. Ouais, j'en ai mis un peu pour qu'ils ramassent des bâtons. Je préfère qu'ils me fassent des outils. De toute façon là je fais avec ce que j'ai, puis après je vais aller chercher 4 couples. Et on finira la maison. Sauf que j'améliore les camps de bûcherons. Une peau du monde. Salut. Ça va? Alors je vais chercher à boire, j'arrive. Ah, les grands esprits se rencontrent.
Il faut quand même beaucoup de planches. Hein. Rosinzu. Ah, il manquait des rondins quelque part là. Je vais chercher le reste de planches. Il m'en faut combien? 12. 20. Il va manquer des pierres. Je sais pas combien, si on en manque pas beaucoup, je les mets tout de suite. Ah, il me manquait plus que. Il manque pas beaucoup de pierres. Hein. Des bâtons. Si j'ai des cailloux. Merde, 51 heures. Non, j'ai pas de pierre. Il me faut des pierres. Là, on va aller recruter deux couples. Ah, j'avais cru voir une pierre. Bon, j'ai la flemme de compter, du coup j'ai pas compté, on va en prendre je sais pas, une vingtaine. Moi je suis tout nouveau sous le jeu quoi. Moi, je commence à un peu gérer mais un peu.
fait, il manque du monde, il manque des bâtiments. De combler ça, mais. Après, je suis pas à... à plaindre, quoi. C'est bon? Une maison? Le village va faire que ça d'évoluer. Tant qu'ils ont pas un manque de ressources et moi que ça va, hein. Je me dis que ça va quoi. On va refaire un troisième champ tout de suite. Et on décolle. Là, il fait peut-être nuit, non? Ah, oh, je l'ai acheté direct. Dès que j'ai eu l'enclos, on a été miné. J'ai miné comme des fous. Après, on a été faire des ciseaux. On a regardé, je pense que c'était le truc le plus rentable. On a vendu les ciseaux en bronze. J'avais largement assez, il me restait encore des sous. Mon champ, mais après on décolle. Ah, je suis dit qu'on peut pas tourner des champs. Ah, c'est une route ça? Ça vient d'où ça? De toute façon, ils vont travailler. Hein. Ça sera déjà là. Bah, la route, elle va faire chier en fait. C'est quoi ce bordel avec les cailloux là? On peut pas voir tous les champs? Non. De toute façon les choux ça va dégager, hein. Ça sera plus les choux. Les choux je vais les mettre ailleurs. Je peux déjà lui demander de les mettre ailleurs, ouais non? Ils sont plantés, il va pas les déplanter.
c'était le pire de la merde, j'avais mon micro coupé. Il n'y a plus à manger pour les bêtes. La 16 sur 16. On le verra pas, mais... Bon, on verra, on va déjà les laisser faire ça. Ça sera déjà pas mal. Par contre, j'ai plus de bouffe. Pour les bêtes. J'ai plus de sous non plus. Je suis ruiné. Je vais aller vendre des trucs, des conneries. On va aller chercher un couple aussi. Il doit leur manquer des couteaux, des haches. Ah, j'ai tout pris la pierre. Il n'y a plus de pierre. Même ça, il m'en faudrait deux. C'est le niveau 1, je crois. Y'a plus personne qui récupère de la pierre. Depuis un petit moment même. De toute façon, je vais pas l'isoler maintenant. Après on peut aller chercher ceux de la mine, de toute façon il me faut de la pierre pour la maison. Pour l'instant j'ai rien à faire mais il me faut de la bouffe. J'en ai acheté combien de bouffe pour les bêtes là? Je me gourerai d'emplacement je crois. J'en ai racheté, il n'y a déjà plus rien. À chaque coup, je me trompe. Plus de bouffe.
Bon, faut que je vais à la mine. On va à la mine. Attends, ils vont pas mourir aujourd'hui, eux. Après, faut que je regarde vraiment pour faire les trois trucs qu'il me faut pour faire de la bouffe. Faut de l'avoine. Ah, il me faut trois trucs, quoi. Mais cette année, je comptais pas en faire planter, mais pas spécialement. J'ai pas d'engrais, j'ai pas de. Je sais pas qu'est-ce qui me reste en engrais. À 0-0 chez Nain. Il me restait 100 balles, j'ai dû les déposer dans ma caisse. Mais même sans ça, il devait me rester 180 euros normalement. 180 pièces. J'ai dû les déposer parce que comment. J'ai dû les déposer. Mais là, on va aller quand même miner, récupérer les pierres. Voir s'il reste pas un peu de cuivre. Ça ira mieux la prochaine saison, mais cette saison-là, j'ai dépensé beaucoup. On a acheté l'âne, on a acheté la sacoche, la selle, les sabots. Ah, je veux descendre avec eux, mais. Merde. Il y a le petit. Lui est carqué aussi. Vas-y, on va déjà faire des couteaux. Après, on sera tranquille, on va tout déposer. Quel bordel. Bon, il reste encore du cuivre, de l'étain. Ah, ça a repoussé, non? Impossible. L'étain, ça pousse dans les grottes. Je vois seulement. Oh là là, mais j'ai une manie de descendre avec eux. C'était des couteaux qu'il fallait, c'était des pioches, des haches plutôt. On va faire un peu de chaque.
On a dit un peu. On dirait que ça revienne. Bon, je dis pas que je l'avais fait à fond, mais il restait pas autant, quoi. Après, j'étais mort, hein. Ça se peut que j'en ai zappé, hein. Aussi. Non, mais on va le faire, mais pour l'instant, c'est compliqué. Ça sera meilleur. Ah putain. Avance un peu. L'argent, il est là. 180 euros. Bande de voleurs! Vous voulez me le prendre? Une fois qu'on aura lancé les résidentes, on va sûrement les enchaîner, hein, c'est pour ça, tu vois. Pour en avoir marre. Plus de pelle, j'ai plus de. On va en faire 6 là. Et après, il y a encore tous les Resident Evil 0. Oh, je me mets mentalement sur ça. 6, c'est chaud. De pour un moment, quoi. Putain, j'ai même pas de pioche pour moi. Allez, passe. Il meurt de faim. Comment dire ça? Il faut combien de temps pour qu'il meure de faim? Il meurt de faim, je pleure. Bon, je pense qu'il faut quand même plus qu'une journée quand même, non? Et là, il va l'avoir dans la journée, de toute façon, la bouffe. Hein.
me rendre fou ça. Ça va ? Non, ça va pas. Attends, faut boire. J'ai pas de gourde. Cuivre, de l'étain plutôt, cuivre. Toi t'es loin d'être plein. Bon il manque plus rien là. Faut y aller. Je vais le mettre là. On pourra finir les maisons. C'est bon. Je crois qu'on n'est pas trop mal ici. Elle est carquée. Hein.
Non mais pousse-toi. Un petit peu d'argent. Je vais regarder mieux qu'est-ce qu'il me faut pour les bêtes, les champs. Quoi que je suis emmerde avec ça. Que ça va être un zoo. T'as quoi toi? Avoine, seigle et paille. Il y a que le seigle que je fais pousser l'automne et tout le reste c'est au printemps. Le plus gros mois c'est le printemps. En gros dans la saison tu dures beaucoup sur printemps, été, un peu moins sur automne et hiver pas trop quoi. Juste histoire de faire les mines. Attends, je vais pouvoir refaire les maisons. Deux maisons. Bah, deux maisons. Finir la maison. Il me faut deux couples beaux et forts. Les carottes l'hiver. Attends, c'est parce que je vais pas faire trop de champs en même temps parce que je vais être. Ça me fait déjà combien? Ça me fait 3 champs, bah ça va. Les choux, c'est sûr qu'on les fait. Et au pire, les carottes l'hiver. Les carottes l'hiver, et puis on a un rendement quoi. Couture niveau 2. Là-dedans c'est bon, bon on va y aller comme ça, on a assez là. Non, ils vont dormir les fous. Oh, lâche ça s'il te plaît. Je vais me faire un feu. Il va pas rentrer lui. Ah. Une belle bête. Je marche dans leur champ. On a foutu. Oh, il y a du monde ici.
tous les nuls. How are you? Best goods in the valley. Quoi? Bon, ils sont ruinés. Have a good day. Oh, je vais changer de village. Ah. Hello. My wares never disappoint. Oh, je les ai déjà dépouillés. Si je voudrais vraiment optimiser, je mettrais un bonhomme là, puis je mettrais un bonhomme, une maison pour la forgeronne. Allez hein. Qu'est-ce qu'il a? Tu veux une carotte? Bah, la forgeronne, elle aura pas de trajet à faire. Elle le fait quand même le trajet, non? De là à ici. Bon, je le ferai pas parce que je cherche pas l'optimisation parfaite. Hein. Je cherche juste à être tranquille, quoi. Avoir des ressources et puis. Il n'y a que les fermiers, il n'y a que les fermiers, ok. Bon, j'ai vraiment bien fait faire les deux maisons là. Je vais mettre deux fermiers. Un pour qui extrait les... Bah, je sais pas, les autres. En tout cas les deux, j'en mets deux dans la ferme. Comme ça, ils sont quatre. T'es fermière. How is life treating you? Et ton mari, il sera fermier. Ah non, je vais être recruté, tu veux pas venir? Viens pas. Comme tu veux. Cette maison là, je sais déjà que c'est en face de la ferme, comme ça. Ils ont déjà leur travail. Comme ça. Merde, c'est pas là. Hop là, on est bon. Ferme agricole. Ferme agricole.
Voilà, les fermiers sont là, ils sont prêts. Il n'y a plus que... Les graines. Ah putain, j'ai oublié les graines là-bas. Pas les graines, mais les trucs. On va pas, toi. Only the best products here. Ah, t'es un voleur, toi. My wares never disappoint. See you soon. Viens là, toi. Newcomer. Goodbye. Putain, mais il est derrière. Ah, des moutons. 3000. C'est bien aussi de les laisser dehors comme ça, les moutons. How are you? Best goods in the valley. Goodbye. Allez, on rentre. Il manque un homme. Vas-y, on va prendre le gars qui est là-bas. Et on rentre. Ça me fait chier parce qu'il est pas... Que 7. Ah mais j'ai même pas vendu mes couteaux. Hello. Whatever you need, I've got it. Les ciseaux. Ah mais ils ont plus de sous. Goodbye. Faut que je descends. Je peux avoir des oies. Non, passe-moi aussi. La jambe elle est partie bizarre. Hein. Même chargé comme ça, je vais largement plus vite que si j'étais à pied, je crois. On va peut-être pas courir, mais. Non, il va pas mourir. Jamais. Là, on rentre. Je dépense. Je vends les ciseaux. J'achète pas de la bouffe parce que je sais même pas s'il y en a là-bas.
On peut voir l'humeur des bêtes. Il est où ? J'aurais dû déposer les cailloux dans ma forge, dans le truc de stockage. C'est pas grave. Là ça fait 15 jours, hein. Un jour et demi quoi. Allez ma poule! How can I help you? Best goods in the valley. La dissous. Only the best products here. Je pense tout, je m'en fous. Have a good day. J'écrase un poussin. Et là, on se barre. Je voulais en prendre sur moi. C'est quoi qui me pèse autant là? Ah ouais, je suis carqué comme un âne. On rentre. J'ai besoin de rien acheter, j'ai juste à attendre la saison qu'elle passe. Par contre, il faut que ça pousse. Dès que t'as planté, dès que t'as mis les graines, tu peux passer à la saison. Il faut vraiment attendre que ça pousse. Parce que ça pousse en été. Bah, c'est pas les saisons, mais c'est ça quoi. Faut pas que je croise quelqu'un. Au changement de saison, ok, tu mets juste les graines et... Et en gros, tu peux passer à la saison quoi, si t'as fini. Je pense à ça hier, on a fini l'histoire principale hein, du jeu. Je l'ai remarqué tout à l'heure, j'ai même pas remarqué hier. Faut te dire. Je pensais encore avoir des chèques de 5000. 5000 pièces d'or. Si. Je la retirerai parce que je vais pas la faire maintenant. J'ai 16 ans pour le faire. Quand j'aurai rien à faire, j'irai où ? Je vais essayer de pas me laver. Je suis sûr qu'il y a un succès avec ça. Dans tous les jeux, quand tu te laves pas, t'as un succès. Ils me laveront pas. Oh putain, j'ai pas recruté l'autre. J'ai oublié de prendre un gars, putain, j'oublie. Pense à autre chose. C'est vrai, dans tous les jeux, t'as un succès sur ça. Je vais essayer de pas les traverser l'eau, mais... J'arrive ! Mes poules !
Faut que j'améliore la forge. Puis il y avait autre chose, je ne sais plus quoi. Ah, le camp de bûcheron. Comme ça, je vais pouvoir virer un camp de bûcheron là-bas. Qui est derrière. Là, d'abord, c'est la maison. Là, j'étais persuadé d'en avoir recruté 3. J'en ai pris que 2. Fermier. Ils ont plus d'outils. Il fait ça. Des ou. Personne qui fait des ou. J'avais mis à fond les couteaux comme j'avais pas les trucs là. Maintenant je vais pouvoir. Vas-y, mets des ou. Ils sont à 3 maintenant, en train de parler quoi. Ah, je me suis trompé de bâtiment. Hop. Ils vont être bien les fermiers. Chial. Des bâtons, je vais refaire des pioches. Là, comme ils ont fini de semer, je vais faire ça. Pour l'instant, ils n'ont pas assez de travail pour... Mais ouais, t'as raison. Des haches, des pioches. Ils en auront un rabat.
ne sais plus si j'en ai fait. Vas-y, il n'aura jamais, jamais trop. On est bon. Trois pièces. Bon, le reste ça ira. Là, tu vas me donner mes cailloux. Là, il me le faut le trait pour l'appeler. Prendre des rondins. Ah. Au secours. Rondin, rondin, brique, pierre. Voilà, ça c'est bon. Rondin, rondin, planche. Je passe pas avec ton gros cul. Alors il me fallait des planches. Et des rondins. On va encore porter plus. Ah.
Des petites planches. Heureusement, j'en ai fait la blinde au début. Manque que des planches. Porte. Je vais attendre qu'il me les fasse ces planches. Ah si, c'est écrit. Juste, il est niveau 1 le temps. Il veut de l'aide. Il est perdu. Ça, c'est bon. On va aller se promener. Parfois un couple. J'ai pas compris, j'ai cru en acheter 3, mais en acheter 3, en prendre 3. En pas, pas du tout. On va racheter un couple. On finit la maison et je pense qu'on va pouvoir changer de saison. Quel beau champ. Je pourrais en remettre un derrière. Il est quelle heure là? Ah bah on va aller dormir.
Ça me fait délirer avec l'âne. Ah, regardez, ils attendent que ça. Pas de travailler. Toi, je te prends. How is life treating you? How is life treating you? Tu peux monter derrière, hein? Je peux monter derrière. Bon bah voilà, ça c'est bon. On va finir la maison et passer la saison. Regardez si le lin il a été planté là. Ah non, 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 le lin c'est pas au printemps. On est à l'été. Une hache. Ah, je sais pas où je vais là. On rentre. Je sais pas si je devrais changer de saison, je devrais les laisser faire un peu d'engrais, non? On va les couper des planches. Tant qu'ils les font, on aura fini. On peut le tuer comme ça ? Bouge de là toi. Reste là. Dangereux.
7. Et moi qui coupe, attention! Il n'a pas peur lui hein. Ah mais il est coupé Il est pas doué hein. Il est sympa. Salut Wisco, ça va? Merci pour le resub. 14 mois. Salut bande de salopes! C'était le week-end. Ah, j'ai 30 planches. Je devrais avoir assez, hein. Ah, grand week-end. Je suis une Gals. Franchement, il est bien. Je sais pas si t'as déjà testé ou vu. Galère, je vais le faire dehors. C'est un jeu où tu commences fermier, tu fais ta maison, bah ton champ et tout, puis après à force tu recrutes des villageois. Après ça devient un village, ça devient un hameau, après ça devient une petite ville. Et quand ça commence à être... T'as des bûcherons, t'as des pêcheurs, t'as des... Ah des fermiers quoi. Au début c'est toi qui le fais, mais après tu recrutes des gens qui vont le faire à ta place. Ils peuvent avoir des enfants, etc, etc quoi. Ouais c'est poussé de ouf. Hein. J'ai commencé avec rien du tout quoi, j'ai commencé avec la maison là-bas. Celle-là. Après j'ai commencé à faire une autre maison, à recruter du monde, et puis j'ai commencé à les mettre au bois. Et ah bah c'est parti comme ça. Bon, je vais l'avoir celui-là, c'est bon? Bah c'est bon. Après ça c'est tous mes habitants, putain j'en ai 31 quand même. Ça c'est les maisons, ça c'est tous les... Toutes les extractions, tous les trucs de chasse, tous les trucs agricoles. Éleveurs d'animaux. Attends, eux je vais les mettre dans une maison. À la base c'est pas des fermiers eux. Ils vont finir fermiers. Bon, déjà il y a elle. Non, pas elle. Lui finira fermier.
Yel aussi. Hein. Mais je vais devoir en virer un. Qui habite là. Bon, c'est pas un château, mais c'est une grosse ville, quoi. On peut pas les expulser ? Si. Attends. Comment ? Il y a deux gars qui servent à rien ici. Attends. Que j'ai une très bonne mémoire de nom. Eux. Ils sont pas encore là normalement. Et eux. Lui c'est bon, il a rien à faire là. Lui dégage, et lui, et elle plutôt. Et elle c'est bon. Aubert. Je vais le foutre dedans pour l'instant. Ah putain non. Aubert. Bon, ce... je vais le foutre au puits. Comme ça, normalement, j'ai deux fermiers là. Bah, les quatre maisons, c'est pour les fermiers, quoi. De toute façon, je peux en mettre 4 et. Je peux en mettre 4 de toute façon, je peux le laisser. Non, je vais le laisser. Il viendra à pied, lui, c'est tout. Il viendra à pied. Oh, il va falloir que je refasse une maison là quoi, j'ai compris, mais pas maintenant. De toute façon j'ai pas assez. Ça va faire combien de choux tout ça? On va couper les arbres. Faire un champ à peu près comme ça. Je sais pas comment, mais on va les couper. Bah pas maintenant. Là je vais passer la saison, je crois. Le problème c'est que... ils ont pas mis d'engrais là-bas.
Il y a beaucoup de fermiers. Vas-y, on passe la saison. Attends, j'attends d'être sale. Oh, je vais passer la saison, c'est pas grave, on verra ça à la prochaine saison. Ça m'évite de manger. Non, pas corps. Sauf ce mois-ci, je fais rien pousser, je vais faire pousser en automne. En automne, il faut faire pousser le seigle. C'est ça? Là, j'ai des choux, là, pour l'instant. J'aurais bien voulu qu'ils mettent l'engrais au moins. De toute façon, j'arriverai pas à remplir les deux graines. Les deux nouveaux champs que je fais là. Non, ce sera début de l'année prochaine que je serai bien. Ça c'est le petit, ça. Non, c'est le grand. Taxe. Ah oh, ouais les taxes, c'est bon de toute façon pour l'instant. Ça. Je vais mettre qu'est-ce que je peux faire pousser pour l'instant. Style ça, gars, je fais ça. Le grand champ, je le garde pour l'instant. Et ils feront pousser, qu'est-ce qu'ils peuvent pour faire pousser, puis c'est tout. Pour cette année, ça ira quoi. Je peux pas aller dormir. Avoine, c'est automne. Je peux peut-être vendre des poules déjà. Il y a combien de poulaillers là? Avec un 5. D'où le petit champ? C'est celui-là là? C'est le seigle. Pas de plus compliqué, c'est ça, une fois que c'est rentré ce délire là, avec les saisons, les graines. Là j'ai bien fait de faire ça ouais. Comme ça il va commencer déjà à faire ça. Ah c'est parce que j'ai pas mis de truc, c'est pour ça qu'il met pas d'engrais. Bah c'est bien. Donc juste retourner. Fais-moi ça bien. Si j'en mettrais une maison,
Et les fermiers, bah je mettrai tous les fermiers dans ici, puis ils travailleront là, quoi. Déjà, j'aurai un peu de trucs cette année. Je pense pour être bien, mais après, il faut l'argent aussi derrière, mais je peux, là, je vais commencer à pouvoir l'avoir. Moi, j'achète des graines, et puis... Il faut au moins 3-4 ans quand on regarde. Si j'achète rien. Ouais, j'ai vu. C'est parce que y a pas de plantation. Mais là j'en mets pas pour l'instant, je sais pas quoi mettre. Hein. Attends, c'était quoi? De l'avoine. Non, j'en ai déjà mis à côté. Attends. Je vais virer l'avoine. De l'avoine. Je vais mettre des carottes. Voilà. Après... Je conserve, je vais là-dessus. Je vais commencer à faire mon champ de... De quoi déjà ? D'avoine. Après, je peux faire moitié-moitié. Hein. Comme ça, j'ai un truc de, sec, de lin. Un truc d'avoine pour l'instant. Quoi? Ah oui, c'est ce que tu me disais. Bah c'est pour ça que je vais faire une maison là. Ouais, c'est l'autre que je voulais virer. Mais j'ai pas trop le courage, je t'avouerai, de faire une maison. J'attends un petit peu quoi. Dès que j'ai les matériaux, je les fais. Là, je vis ma vie de patron. Allez, Martine. Après, je vais mettre un puits ici pour la déco. Je sais plus où c'est, mais c'est prévu comme ça. Attends, c'était quoi le truc? Ah, je crois qu'il y avait un puits niveau 2. Non, j'ai pas vu ma vie! Méchant! Bah ouais, je devais changer de saison. Je l'ai pas fait. Attends, on va manger un coup, hein, boire un coup. Je vais me remettre sur les champs. Bon, de toute façon, ce sera mieux peut-être. Je mets l'avoine. Ça c'est bon, ça c'est bon.
et des carottes. Et là, la maison, c'était prévu. Avant de mourir. Je vais où ? Voilà, petite sauvegarde. Ah, du coup, ils ont pas. Ils sont en train de le faire. L'abri agricole qui est trop loin. Pas trop loin de quoi, il est là. Il est loin de quoi? Au pire, j'en refais un là. J'en referai un là. Après, c'est pour le champ, ouais. Le champ est trop loin par rapport à l'abri. De toute façon, le villageois, c'est sûr qu'il va là, quoi. En la maison, c'est certain que je l'ai fait. C'est combien en moins ? Après, si 5-10%, je t'avouerai que. Ouais, c'est l'abri, ouais, non, j'avais pas vu. Travaille bien. Pire, lui, je vais peut-être le virer. Après, je sais pas combien de fermiers qu'il va me falloir. Hein. Je vais attendre comme ça pour l'instant. C'est ce champ-là, quoi. En deux secondes. Je serai obligé d'infecter des paysans quand même. Ou faut juste mettre un abri. Oh, là, il aura juste à être fait quoi. Pas beaucoup de façon. Pourquoi ? Des pierres. Moi, je mettrais Albert. Albert lira. Yedia. C'est Albert, ça. Aubert. Parce que je vais refaire un champ, là, c'est... Je pense que... Je pense que j'aurai 5 champs. Celui-là je le garde, celui-là je le garde, celui-là je sais pas trop si je vais le garder. Je vais le garder quand même. Ah, je vais remettre un champ là-bas. Là si j'ai la place je mets un moulin.
il commence avec les couteaux. Je vais faire quelques couteaux. Faudrait que j'améliore la forge. Ouais, c'est ça en fait. C'est pour ça que je regarde pas trop pour l'instant. J'aimerais savoir tout le monde dans leur poste, à leur tâche. Et à partir de là, je commencerai à mieux les régler, quoi. Bon, le bois, il est bien. Il y a des trucs que tu dois changer tout le temps quand même. On a quand même pas mal de fumier. Ah, d'engrais. Je pense qu'on va être bon. On va attendre qu'il finisse tout ça. Je vais pouvoir débloquer les choux, ils vont pouvoir les manger. Je sais plus si je l'ai retiré. Choux. Ils vont manger des choux. Des baies. Demain ils travaillent pas, ils ont tous la diarrhée. Je fais faillite. Bon bah eux ils travaillent. Ouais, j'en ai mis un à 100%. J'en ai mis un de chaque en fait. Un pour le bois de chauffage, un pour les bâtons, un pour les planches. Et un pour les rondins. À chaque coup, je sais jamais c'est où. Un rondin. Il y en a deux dans le bâton. Ah oui, je les ai retirés. Il me fallait des bâtons tout à l'heure. J'en avais marre d'être à court de bâtons. Je vais les remettre sur les planches. Bois de chauffage. Oh, je suis large. Mais j'ai peut-être un stock, non? Il compte le stock ou c'est vraiment la production, ça? Je vais baisser, du coup. Mettre 60%.
Ok. Tu fais là au lit. Oh, je la ramasse plus. Hein. Il faut qu'ils finissent les champs. La saison prochaine, on va faire les mines, on va rénover deux maisons. Ça va, c'est une saison un peu tranquille. Les habitants, ils peuvent avoir des montures. Juste toi. Là, je vais avoir pas mal de bâtons. Je vais peut-être finir l'enclos là. Je me donne du courage, mais... Il y a des jours, t'as pas le courage. Là, c'est un jour sans courage. Des bâtons. J'ai jamais de bâtons. Ah, si j'en ai là. Mais qu'ils vont coucher, je vais coucher. Il drague. Quoi le plus grand nombre d'habitants dans les villages aux alentours? J'ai presque le nombre d'un grand village dans le jeu.
plus grande, c'est celle en bas à droite. Là, je crois que c'est un hameau pour l'instant. Voilà, ça sera toujours ça de fait. Alors, on va coucher. Là, faudra mettre un truc, je sais pas quoi. Pour la déco. Un puits. Il y aura des puits partout. Bon, après, faut que je regarde vraiment la déco, mais ça va être chaud. Oh. Les volets, il y a plein de trucs. Bon, ça, j'ai encore le temps. Je les laisse travailler. Là pour l'instant j'ai rien de spécial à faire. Ah de spécial ouais. Je pense qu'on va s'arrêter là et je vais reprendre le printemps prochain. Il n'y aura pas grand chose jusqu'à le printemps prochain. On va s'occuper des champs, de miner. Je vais rénover 2 maisons. 4 maisons. Ouais, on va s'arrêter là.